Et donc, ce que je vois, c'est que la femme se retrouve. Mm-hmm. Elle est là, elle n'est plus un objet. Mm-hmm. Elle est quelqu'un qui participe. Mm-hmm. Elle est une personne qui donne aussi sa part. Mm-hmm. Et avec ça, ça donne la stabilité au foyer. Mais les femmes sont en train d'émerger, mm-hmm. et les femmes peuvent aller très loin. Okay. Parce que les femmes, ce sont des personnes entreprenantes. Mm-hmm. On a un cœur d'amour. Mm-hmm. On a un cœur de compassion. Et quand on veut quelque chose réellement, on peut l'obtenir. D'ici là, il y aura la fête des mères. Mm-hmm. Vous allez voir, mm-hmm. les maris apportent des roses à leur épouse. Ici, au niveau de l'Occident. Au niveau de l'Occident. Okay. Mm-hmm. Les restaurants sont pleins. Mm-hmm. Dans, à l'extérieur, tout le monde, on sait que c'est la journée mm-hmm. des mamans. Mm-hmm. On célèbre la maman mm-hmm. chez nous. Mm-hmm. La maman n'a pas de place, elle n'a pas de... Vous savez, mm-hmm. on est dans un pays de droit et de liberté. Tout à fait. Tout on à pense fait. Que, bon, en appelant 911, mm-hmm. On peut résoudre les problèmes. Le problème est résolu. Mm-hmm. Au contraire, c'est le début des problèmes. Mm-hmm. Vous créez un gros problème, à la fin, il n'y aura pas de solution. Amis, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, amis fidèles des réseaux de la diaspora, Diaspora Network 24/7, bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous nous recevez devant vos écrans. Les réseaux de la diaspora, comme nous avons déjà pris l'habitude de le dire, c'est une télévision qui est créée pour permettre au peuple de la diaspora de s'exprimer sur les vécus de leur intégration, de leur immigration, de leur accueil, la façon dont ils s'intègrent et s'épanouissent dans la nouvelle terre d'accueil. Alors, pour ce faire, nous avons annoncé précédemment que nous avons une grille d'information et nos émissions se multiplient. Nous avons donc les coulisses du pouvoir que vous présente votre fidèle serviteur Charles Kajinou Pompou, qui, à partir du mois de mars, où nous sommes, vous présentera également l'heure du Seigneur. Votre fidèle serviteur Aimé Kabuya continuera avec « Si nous nous disions tout » et nous entamerons également, et c'est déjà le cas ici, l'entrepreneuriat du développement économique. Alors, sans plus tarder, je vous demande avec moi d'accueillir une grande dame, une grande figure de la diaspora africaine, particularité congolaise, à Toronto, au Canada, donc en Amérique du Nord. Je vous présente Mama Béa. Mama Béa, bonjour. Bonjour. Donc, soyez la bienvenue au réseau, sur le plateau du réseau de la diaspora. Mama Béa, pour nous, c'est un privilège. À chaque fois que nous recevons une dame, surtout une dame qui est dynamique, comme c'est le cas pour vous-même, je vous connais dans le cadre de vos activités, aussi bien au niveau de la communauté, au niveau de la lutte que mène le peuple de la diaspora, des Congolais à travers la diaspora, ainsi de suite. Donc avec vous, nous allons discuter justement du rôle que joue la femme africaine, la femme congolaise, dans le cadre justement de ce débat. Alors avant d'entrer peut-être dans le vif de nos sujets, je vous demanderai peut-être de vous présenter à nos auditeurs quelques mots, qui vous êtes, qu'ils apprennent à vous connaître, et puis nous pourrons bien entendu rentrer dans notre débat. Bonjour, bonsoir à tous. Mon nom est Madame Béatrice Bayombo. Je suis mariée, mère de 4 enfants et particulièrement des jumeaux, une fille et un garçon, qui auront bientôt 10 ans. Ben voilà, c'est fait. Alors, Madame Béatrice, depuis un certain temps, la communauté africaine et spécifiquement la communauté congolaise est très dynamique. On rencontre le dynamisme de la communauté congolaise spécifiquement en rapport avec la situation du Congo. À cet effet, nous rendons hommage aux familles de victimes dont les parents ont été soit victimes de viol ou victimes de violences telles que nous les voyons dans la presse. Mama Béa, compte tenu de la situation actuelle, je parle bien de la femme. En Amérique du Nord, la femme joue un rôle centralisateur. Comment vous, femme immigrante, femme d'Afrique, femme congolaise, jugez l'immigration par rapport à vos vécus de tous les jours? Ce que je pourrais dire, c'est que ici au Canada, on trouve la maman congolaise un peu partout. Mm-hmm. Vous allez la trouver dans l'éducation, mm-hmm. elle est là. Mm-hmm. Vous allez la trouver dans la petite enfance, mm-hmm. elle est présente. Mm-hmm. Vous allez la trouver dans les soins des préposés, mm-hmm. elle est présente. Infirmière, elle est là, elle travaille. On en a même qui sont des professeurs à l'université. Mm-hmm.
il y a des femmes entreprenantes qui ont leurs propres affaires, propres business, qui ont des magasins, qui ont des salons de coiffure. Donc elles sont là, on les retrouve partout. Et elles sont vraiment bien intégrées. Et je pense que beaucoup ont réussi. Celles qui veulent réussir, elles ont réussi. Celles qui veulent réussir, elles ont réussi. Mais maman, il y a toujours un point de départ. De pays d'origine d'où nous venons, nous constatons soit une absence d'une chose que nous voulons avoir, ou nous regardons l'Occident ou d'autres environs du monde et nous disons des tiens, nous voulons peut-être changer notre environnement de vécu de tous les jours. Vous, personnellement, qu'est-ce qui a motivé votre immigration et comment vivez-vous cette immigration en tant qu'individu? Quand j'ai quitté mon pays, c'était à cause de l'injustice qui régnait dans mon pays. Et je ne pouvais pas vivre dans les conditions dans lesquelles le peuple vivait. Moi, j'ai grandi en Belgique et j'ai appris à être libre. J'ai appris à m'exprimer, j'ai appris à me débrouiller. Arrivé au pays, bon, ben, vous voyez, les choses ne fonctionnaient pas bien. Et puis, il y a eu la chute du gouvernement de Mobutu et nous avons dû quitter le pays et nous retrouver ici au Canada. Arrivé au Canada, oui, il y avait l'étape de s'intégrer qui était un peu difficile parce que dans ce pays où nous sommes, on ne nous accepte pas directement. Okay. Donc, quand vous venez, vous devez passer par des étapes et des échelons. Vous avez vos diplômes, mais vous ne pouvez pas les utiliser. Et vous devez vivre. Alors pour ça, vous devez essayer de suivre comment on peut accéder à différents postes dans ce pays. Comment on peut se débrouiller. Et avec ça, vous vous intégrez. Bon, j'avais l'avantage, je connaissais l'anglais. Mais d'autres arrivent ici, ne connaissent pas l'anglais. Donc vous devez commencer dès le départ. Apprendre l'anglais, maîtriser l'anglais pour pouvoir communiquer avec les gens de l'extérieur, pouvoir vous exprimer, suivre des cours, suivre des enseignements, travailler. Au départ, c'était difficile, mais avec le temps, quand on a un atout, on est universitaire, on a un diplôme, on a étudié, on a des contacts, il y a aussi les anciens qui sont là, on sait où toquer, les autres vous aident et avec ça, vous montez les échelons. Avec ça, vous montez les échelons, bien entendu. Les amis, je vous informe à cet effet que le Canada, Toronto particulièrement, c'est une grande agglomération à Toronto, où vous retrouvez une immigration de Congolais qui est exprimée jusqu'à date, ce sont des statistiques à vérifier, à 15 000 foyers. Alors, Madame Béa, les 15 000 foyers de Congolais, on retrouve de plus en plus de jeunes mamans, on trouve de jeunes filles qui sont venues ici à bas âge, toujours en province du Congo. Et au fur et à mesure, nous sentons justement ces femmes que nous avons pris l'habitude de voir jouer le rôle de la femme africaine traditionnelle, c'est-à-dire la femme au foyer, la femme à la cuisine, la femme qui veille au bien-être des enfants ou de la famille. Est-ce ce même rôle que vous sentez que vous jouez ici, ou vous pensez peut-être que la femme africaine, la femme immigrante, quand elle arrive au Canada, c'est une autre personnalité qui émerge? Merci beaucoup mon frère. En tout cas, quand vous arrivez dans ce pays, c'est totalement différent de l'Afrique. Ici, tout le monde doit mettre la patte à l'eau. Tu restes à la maison, tu n'auras rien. Pendant qu'en Afrique, on était là, les mamans, tu es assise, ton mari sort le matin, il a un beau travail, il va, toi tu restes à la maison, tu as tes petits travailleurs là, ils te font les travaux quotidiens, et toi tu ne fais que les enfants, tu es à la maison. Tu prends soin des enfants, de la maison et de ton mari. Dans ce pays, ce n'est pas le cas. Quand tu arrives ici, tu dois apprendre à aller chercher et ramener. Et quand tu es marié, tu as ton conjoint, vous devez... Il travaille, toi aussi tu travailles. Vous mettez les deux ensemble et vous pouvez évoluer. Alors quand c'est seulement une seule personne qui travaille, il n'y a pas assez d'équilibre, il n'y a pas assez de balance. On est dans un pays où c'est la dépense. Donc on doit toujours payer les factures. Quand c'est une seule personne qui travaille, ça ne convient pas. D'où maintenant on voit que les mamans congolaises, elles sont intégrées. Les mamans congolaises, elles sont là, elles ont des postes, elles ont du travail et elles ramènent. Donc elles ne sont plus ce genre de femmes qui étaient dans les années antérieures, qui restaient à la maison et qui attendaient que l'homme puisse amener. Non, elles sont là, elles donnent aussi son 50, sa moitié. Donc elle amène, elle va au travail, enfin du moins elle a sa part qu'elle met sur la table. Le mari aussi amène sa part, il met sur la table et puis ils font leur budget et ils peuvent prendre soin de leurs enfants. Ok. Mais est-ce que ce changement, le fait qu'ici en Amérique du Nord, la femme devient
pourvoyeurs aussi, c'est des contributeurs. Elles contribuent pratiquement, n'est-ce pas, à l'épanouissement des familles. Est-ce que ça change le rôle de la femme au sein du foyer où la femme devient une aide, ce qu'elle a toujours été par rapport à son mari, mais il y a un surplus, il y a un plus, qui est qu'elle contribue financièrement aussi au développement, à l'épanouissement de la famille. Dans mon cas et dans ce que je vois, c'est que la femme se retrouve. Elle est là, elle n'est plus un objet. Elle est quelqu'un qui participe. Elle est une personne qui donne aussi sa part. Et avec ça, ça donne la stabilité au foyer. Les enfants sont là, bon, on a un système qui nous aide ici, il y a les garderies. Vous allez le matin, tout le monde est pressé, on arrange les enfants, vous les déposez à la garderie, vous partez, vous travaillez, le soir vous ramenez les enfants. Bon, le matin, pendant la journée, tu fais ton travail au bureau comme il se doit, mais le soir arrivé, tu reprends ton rôle de maman, tu reprends ton rôle de femme au foyer. Donc, on travaille doublement, quoi. Tout à fait. On travaille doublement pendant qu'en Afrique, on était là. Comme on le dit, un peu en train de se pavaner, en train de se relaxer. Le papa va pourvoir. Oui, le papa est là, il va pourvoir, qu'on n'a aucun souci. Mais ici, tu as le souci de chaque jour. Mais vous, intérieurement, quand vous regardez cet aspect des choses, est-ce que vous sentez que vous avez perdu quelque chose à votre identité qui était celle justement, qui était prise en charge, ainsi de suite? Est-ce que vous vous dites, ben tiens, dans mon rôle de la femme qui contribue, je peux également jouer un rôle supplémentaire qui peut éventuellement aller au-delà du mari? Est-ce que vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous est retiré? Ou vous sentez que c'est un plus? Je veux dire, quand vous vous adressez par exemple aux dames africaines, congolaises, qui vous regardent et qui disent peut-être non, elle n'a pas raison, nous pensons que c'est seul l'homme qui doit subvenir aux besoins. Quel est le débat que vous, au niveau des femmes, vous entretenez à ces propos? Ce que je pourrais dire, c'est que le monde évolue. Nous ne sommes plus dans les années 50, dans les années 40, dans les années 60. Nous sommes au 21e siècle. Donc, la femme, elle a un pouvoir. Il y a la parole, il y a quelque part, on dit ce que femme veut. C'est ce que Dieu veut. C'est ce que Dieu veut. Donc, ici, on nous apprend à être au devant. Se mettre au devant. Donc, la femme maintenant a cet atout-là, elle a ce pouvoir-là. Au contraire, quand on arrive ici, il y a un gain, si on veut ce gain-là. Donc, il y a un gain qui est là, et il faut savoir prendre l'opportunité, le tenir en main, et aller de l'avant. Donc, pour moi, je peux dire que en arrivant ici, c'est un atout pour moi. Et c'est un privilège aussi parce que j'ai beaucoup appris. Et avec ce privilège, s'il m'arrivait de rentrer au pays, je peux prendre ça et le mettre. Qu'est-ce qui peut m'empêcher d'être ministre aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous pourrait vous empêcher d'être ministre, effectivement? Qu'est-ce qui pourrait m'empêcher d'être président de la République? Par exemple. On regarde les hommes, on voit chez nous. Les hommes, on peut dire qu'ils ont lamentablement échoué. Parce que parle des hommes dans la diaspora? Non, pas dans la diaspora, au pays. Ok. Au pays. Peut-être adressez-vous à vos auditeurs. Oui, c'est ça. Donc, les hommes ne jouent pas leur rôle comme il le faut. Et maintenant, c'est les femmes... Les femmes sont en train d'émerger et les femmes peuvent aller très loin. Parce que les femmes, ce sont des personnes entreprenantes. On a un cœur d'amour. On a un cœur de compassion. Et quand on veut quelque chose réellement, on peut l'obtenir. Donc, tel que nous sommes là, nous pouvons faire des grandes choses. Et nous devons faire ces choses-là. Nous ne devons pas seulement nous asseoir et attendre que l'homme le fasse. Non. On peut se lever, on peut dire, bon, écoute, c'est bien ce que tu as dit, mais voilà ce que moi je peux faire. Voilà ce qu'on peut faire. Et on est là, on discute, et ok, c'est bon, vas-y, fais-le. Bon, si je vous comprends bien, est-ce que vous êtes en train de dire que les gouvernements de pays d'où nous venons, qui sont souvent identifiés comme des régimes dictatoriels, vous empêchez quelque part de contribuer à l'épanouissement et au développement de la société et peut-être à jouer un rôle primordial dans le bien-être de la nation, par exemple, comme nous le voyons ici? C'est ça que vous essayez de dire? Oui, parce que quand vous voyez le système dans lequel nous sommes, la femme a une valeur très importante. La femme, elle est mise au devant. Aujourd'hui, on a un premier ministre en Ontario qui est une femme. Madame Wade, oui. Elle est femme. On a des députés qui sont femmes. Qu'est-ce qui empêche que chez nous, là-bas au pays aussi, les femmes puissent émerger et aller plus loin? C'est parce que les autorités qui sont là n'ont pas donné la place à la femme, ne lui ont pas donné l'occasion d'aller loin. Ou même s'ils le mettent, il y a toujours une barrière. Elles ne peuvent pas s'exprimer. Comment pouvez-vous expliquer que des femmes sont violées?
Et vous avez des ministres qui sont là peut-être à la condition féminine qui ne disent rien. Mm-hmm. C'est pas normal. Les petites filles ne sont pas éduquées, elles ne vont pas à l'école. Et vous avez des femmes qui sont là dans les ministères et vous ne faites rien. C'est pas normal. C'est pas normal, effectivement. Il y a quelque chose qui ne va pas. Quand vous êtes femme, vous êtes d'abord maman. Vous devez veiller à l'éducation de l'enfant, de votre enfant, au bien-être de votre foyer et de votre famille. D'autant plus qu'on dit éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Ok. Alors, pourquoi est-ce que dans notre pays, ceux qui sont à la tête ne peuvent pas voir que la femme, c'est le noyau central. Et si le noyau, si le noyau est bien protégé, alors je disais, chez nous, les autorités ne donnent pas la place à la femme. Vous voyez ici, bientôt on va célébrer le 8, la journée internationale de la femme. C'est la femme qui est mise au devant, c'est la femme qui est valorisée, c'est la femme dont on veut célébrer. Parce qu'elle est femme, elle est mère. Imaginez-vous au Congo, cette journée-là, on interdit aux femmes de défiler. Et il y a une dame qui est là, qui est ministre, qui est là et qui cautionne pour dire oui, il n'y aura pas de défilé. Tu es femme ou tu n'es pas femme? Tu connais ton rôle de femme ou pas? Pourquoi est-ce que ces femmes ne peuvent pas se lever et dire non. C'est la journée de la femme. Nous devons valoriser la femme, la maman. Celle qui nous porte, celle qui nous garde, celle qui prend soin de nous. Rien n'est fait. D'ici là, il y aura la fête des mères. Vous allez voir, les maris apportent des roses à leur épouse. Ici, au niveau de l'Occident. Au niveau de l'Occident. Okay. Les restaurants sont pleins. À l'extérieur, tout le monde, on sait que c'est la journée des mamans. On célèbre la maman chez nous. La maman n'a pas de place, elle n'a pas de valeur. Et c'est ce qui fait que on ne peut pas aller de l'avant. On ne peut pas progresser avec ça. Il faut lui donner cette place-là. Il faut lui donner le pouvoir d'agir. Et quand elle va commencer à agir, vous allez voir, un grand changement va arriver dans le pays. On a des femmes qui sont présidentes en Afrique. Au Libéria. Au Libéria, il y a une femme qui est présidente. Tout à fait. Qu'est-ce qui empêche qu'au Congo aujourd'hui, une femme se lève et dise, je deviens présidente de la République. Je vais aller aux élections. Mais je veux dire, la femme, parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez le Congo, vous avez évoqué ça tout à l'heure, vous avez dit, voilà, tiens, la femme n'est plus éduquée, c'est vrai. Quand vous regardez le système éducatif au niveau du Congo, c'est tellement corrompu. Les institutions académiques et autres n'ont pas suffisamment de ressources. Donc, quelque part, il y a quand même une lacune qu'on installe à l'embryon même, au départ, vis-à-vis de la femme congolaise, de la femme africaine, parce que ce phénomène, on ne le trouve pas seulement au Congo. Beaucoup de pays en Afrique vivent la même situation. Quoi, au Congo aujourd'hui, c'est une situation sans précédent, c'est vraiment catastrophique. Cette femme qui devient demain un leader, devant diriger la nation, la société, les entreprises, d'où elle trouve les ressources nécessaires pour justement accéder à ces postes? Parce que vous, quand vous venez ici, vous avez encore cette chance, vous pouvez vous rééduquer, vous recycler à travers les universités d'ici. Mais quand on regarde l'ensemble, le plus grand chiffre de femmes africaines, noires, on les trouve au niveau d'Afrique. Quel est ce remède que vous pouvez proposer pour que la femme aujourd'hui, qui de plus en plus prend son rôle dans la société, puisse mettre en œuvre pour justement favoriser justement un leadership effectif? Au niveau d'ici ou bien au niveau du Congo? Plus au niveau du Congo qu'au niveau d'ici, parce que vous êtes quand même reliés. Hein, ici, nous sommes reliés, oui, mais en Afrique, c'est ce que je disais. Oui. Quelque part, j'avais dit que les hommes ont lamentablement échoué. Nos dirigeants ont lamentablement échoué. Chers amis, ces propos n'engagent qu'elle. Le réseau de la diaspora s'en dissocie à tant qu'est-elle. Parce que, dès le départ, s'ils avaient donné, ils avaient accordé l'importance à la maman congolaise, valoriser la maman congolaise. Cette maman-là, avec l'intelligence qu'elle a, on voit des mamans qui sont là, elles vont au marché, elles vont vendre, elles n'ont pas étudié, mais elle sait dans sa tête que si je vends, j'aurai mon 100 francs, 200 francs, je peux payer le médiéval de mon enfant. Cette maman-là, si on lui donnait l'occasion de travailler, elle aurait des ressources. Elle prendrait soin de ses filles et de ses garçons, elle les enseignerait, elle les éduquerait, et ce sont des gens qui vont grandir, émerger, et demain ce sont eux qui vont faire la relève de nous autres qui allons vieillir. Tout à fait. Mais donc c'est le départ, c'est le noyau. Donc au noyau là-bas, il faudrait restructurer, tout restructurer, l'éducation,
au départ l'éducation. Mm-hmm. Essayer d'éduquer le plus possible les filles, mm-hmm. les jeunes filles. Mm-hmm. Il n'y a pas seulement que aller à l'école primaire, aller à l'école secondaire. Il y a les écoles de métiers. Mais toutes ces institutions, faut le dire, au niveau du Congo, puisqu'on parle d'un cas d'espèce au sein du Congo, au niveau du Congo, ces institutions sont absentes. C'est-à-dire, même avec la bonne volonté de ces jeunes filles, en tant que telles, il y a quand même un manque de ressources appropriées pour leur permettre d'acquérir. Maintenant, quand on regarde la femme congolaise immigrante, la femme de la diaspora, c'est plus vers cette femme-là que les autres qui sont restés au Congo se disent, allez, tiens, voici les modèles. Voici celles qui peuvent venir nous donner une orientation qui nous permettra de prendre justement notre rôle de femme qui peut contribuer, une femme qui peut contribuer à la promotion du pays en tant que tel. Alors, quand on regarde maintenant cette femme congolaise dans la diaspora, qui elle est? Est-ce que la femme congolaise dans la diaspora étudie? Est-ce que la femme congolaise de la diaspora tente d'acquérir les notions nécessaires pour un leadership effectif? Comment vous identifiez la femme congolaise vivant dans la diaspora? Comme j'avais dit au départ, la femme congolaise, elle évolue très bien. Mm-hmm. Nous avons nos mamans, mm-hmm. nous avons nos jeunes filles, nous avons les petites filles qui étudient. Mm-hmm. On arrive ici, d'autres ont la cinquantaine révolue, d'autres ont la soixantaine révolue. Mm-hmm. Elles rentrent sur le banc de l'école. Mm-hmm. Elles apprennent, mm-hmm. ne fût-ce que l'anglais, mm-hmm. pouvoir se débrouiller, communiquer. Mm-hmm. Les autres rentrent à l'université. Mm-hmm. Beaucoup sont là, elles sont retournées à l'université. Mm-hmm. D'autres sont rentrées dans les collèges. Mm-hmm. Nous tous, on a des diplômes. Là, on a eu les diplômes ici au Canada. Mm-hmm. Donc, nous disons quand même que la plupart des femmes, pas seulement congolaises, africaines, fréquentent des collèges qu'on appelle ici communautaires, juste pour avoir un petit certificat, pour pouvoir occuper un emploi. C'est-à-dire que ce ne sont plus ces femmes qui sont, comme on voyait à l'époque, vous avez fait mention de vous-même, vous étiez en Belgique, vous avez fréquenté une institution académique, dont on parle d'une institution universitaire. Est-ce que vous, ce que j'essaie de connaître pour nos auditeurs, est-ce que les femmes congolaises que nous voyons en Amérique, en Europe ou dans d'autres pays évolués dans le monde prennent conscience du rôle qu'elles sont appelées à jouer dans un futur proche, c'est-à-dire au niveau de la gestion des pays, au niveau de la gestion des entreprises en tant que telle? Parce que si vous prenez par exemple une femme qui n'a fait que, comme on dit, PSW, en fait, c'est assistante aux personnes âgées, cette personne ne peut pas, elle peut pas retourner et diriger, mais ça demande quand même des compétences bien précises là, pour diriger une entreprise, diriger un pays, ainsi de suite. Comment vous, c'est quoi le regard que vous avez vers la femme immigrante quand vous lui parlez? Quand vous vous adressez à elle, vous lui dites bravo, vous faites ce que vous devriez faire, ou vous dites, madame, faisons attention, nous devons nous orienter vers cette direction. Qu'est-ce que vous dites à la femme immigrante? Il y a deux choses à noter. La première est qu'il y a une vague de nos mamans congolaises qui sont arrivées, mm-hmm. et maintenant nous devenons un peu plus âgés et nous allons vers mm-hmm. l'âge de la retraite. Tout à fait. Donc avec l'âge de la retraite, rentrer au pays là, mm-hmm. je ne sais pas si on pourra occuper des postes. Mm-hmm. Donc, ces mamans-là, maintenant, qu'est-ce qu'elles font? Elles sont en train de préparer mm-hmm. leurs enfants. La jeunesse montante. Okay. Donc, quand elle va faire ce petit travail-là, mm-hmm. quand elle a eu ce petit diplôme-là, mm-hmm. c'est pour qu'elle ait un travail mm-hmm. qui puisse l'aider à mm-hmm. prendre soin mm-hmm. de ses enfants. Et ses enfants, elle les envoie à l'université. Okay. Et ces enfants qui vont maintenant à l'université, ce sont eux qui vont émerger. Mm-hmm. Ce sont eux qui deviendront les élites de demain. Parce que si aujourd'hui on fait la marche dans la diaspora, mm-hmm. si aujourd'hui on crie partout, mm-hmm. on est en train de faire bouger le monde, mm-hmm. c'est parce que nous voulons que nos enfants mm-hmm. apprennent la réalité au pays. Mm-hmm. Les enfants apprennent que voilà ce qui se passe mm-hmm. dans le pays de nos parents. Mm-hmm. Nous ne voulons pas de ça. Nous vivons dans un pays de droit et de liberté. Okay. Et nous voulons que ce droit et cette liberté puisse aussi s'appliquer là-bas chez nous. Okay. Donc, les enfants que nous avons maintenant ici, mm-hmm. ce sont eux mm-hmm. qui vont prendre la relève demain. Mm-hmm. Et nous faisons tout de telle sorte que ces enfants mm-hmm. aient une bonne éducation, mm-hmm. aient une bonne formation, mm-hmm. aient le bagage intellectuel mm-hmm. et peut-être le bagage aussi politique. Peut-être le bagage politique, effectivement. Pour rentrer au pays mm-hmm. et maintenant prendre les rênes du pays. Tout à fait. Parce que là-bas, il y a vraiment un grand besoin de changement. Tout à fait, tout à fait. Et c'est pour ça que je dis, la maman congolaise, mm-hmm. vu tout ce qu'elle a vécu, mm-hmm. elle se débrouille. Mm-hmm. Et elle se débrouille bien. Mm-hmm. Celle qui veut. Mm-hmm. Okay? Mm-hmm. Parce qu'il y en a d'autres aussi, elles arrivent,
Le mari est là, hein, il n'a qu'à aller travailler. Hein, moi, je ne veux pas travailler, je fais les enfants, je reste à la maison. C'est son principe à elle. Mais il y a quand même une question sans tabou. Je m'en voudrais de ne pas poser cette question. On constate, par exemple, au niveau de la diaspora, beaucoup d'hommes sont en train de se plaindre de leur femme. Elles disent, oui, la femme veut l'émancipation, certes, on le lui accorde. La femme veut jouer un rôle dans la société, on lui accorde. Mais en retour, c'est comme si la femme ne permet pas à l'homme de jouer son rôle de chef de famille en tant que tel. Et beaucoup d'hommes se plaignent de plus en plus que les femmes africaines, les femmes congolaises, abusent un peu de cette autorité ou de cette protection que la société occidentale leur accorde. Quelle est votre opinion à cet effet? Moi, je vais vous dire quelque chose. Je suis une chrétienne. Mm-hmm. Et je crois en mon Dieu. Mm-hmm. Et la Bible me dit que la crainte de l'Éternel, c'est le début de la sagesse. C'est le commencement de la sagesse. Tout à fait. Mm-hmm. Dieu a créé l'homme pour la femme. Mm-hmm. Et la femme pour l'homme. Mm-hmm. Et selon le principe biblique, mm-hmm. l'homme est au-dessus et mm-hmm. la femme est en dessous. Mm-hmm. La femme doit garder son rôle de femme. Mm-hmm. Nous arrivons dans ce pays où tout est permis, mm-hmm. mais tout n'est pas bon. Ok. Okay? Mm-hmm. Alors maintenant, quand vous arrivez dans ce pays mm-hmm. et vous pensez que je dois mater l'homme, je dois aller au-dessus de lui et qu'il ne veut plus rien dire, mm-hmm. là tu ne joues plus ton rôle de femme. Mm-hmm. La société nous permet d'être indépendante. Mm-hmm. C'est bon. Mais il ne faut pas en abuser. Mm-hmm. Il faut savoir là où sont tes limites. Mm-hmm. Je suis femme, je suis mariée, mm-hmm. je suis mère au foyer, mm-hmm. je travaille. Je connais mes limites. Je sais que je vais, je ramène mon pain. Mais quand j'arrive à la maison, le mari doit jouer son rôle de mari. Est-ce que vous avez des opportunités entre vous, femmes? Je prends l'exemple typique de Toronto, où vous vous regroupez pour vous dire mutuellement. Il y a une organisation qui regroupe les femmes congolaises ici, par exemple. Je sais que Monica a une association qui s'appelle l'Association des Canadiennes Congolaises de Toronto, de l'Ontario, je n'en suis pas sûr. Elle passera ici, elle le précisera. Mais est-ce que vous, en tant que femme, parce que le phénomène est quand même assez courant, de plus en plus, les hommes sont requis, enfin, sont pratiquement mis hors de leur domicile, suite aux plaintes de leurs femmes, ainsi de suite. Certaines prennent conscience, certaines non. Mais vous, quand vous vous concertez entre vous femmes, quel est le message que vous vous passez mutuellement? Parce que quand un homme n'est plus dans son foyer, on se rend compte que, quelque part, l'éducation des enfants est aussi affectée. Mais c'est ça. Alors, vous, entre femmes, quel est ce conseil que vous vous donnez mutuellement? C'est un secret entre vous, vous ne voulez pas le dévoiler, mais quel est le message que vous donnez à la femme congolaise, la femme africaine, que la plupart des statistiques semblent présenter comme étant de personnes qui abusent un peu de ces privilèges que la société occidentale leur donne? On a entendu ça dans nos chansons, un peu partout. En Europe, les hommes se plaignent de ça, en Amérique, pareillement. Mais moi, quand j'ai l'occasion, mm-hmm. l'occasion de parler aux jeunes filles, à nos jeunes filles, à nos jeunes sœurs, je leur rappelle toujours que... Et aux mamans aussi. Oui, mm-hmm. non, les mamans, oui, oui. Mm-hmm. Je leur rappelle et je leur dis que, écoutez, mm-hmm. nous sommes dans ce pays, c'est bien beau. Mm-hmm. Mais n'oubliez pas que vous êtes d'abord mère, mm-hmm. vous avez des enfants. Et l'éducation des enfants mmh. a besoin des deux parents. Mmh. Sinon, pourquoi on a fait la femme mmh. Sinon, pourquoi on a fait l'homme mmh. On a besoin et du père et de la mère pour l'équilibre de l'enfant. Mmh. Pour que l'enfant puisse grandir mmh. et être stable dans la société. Mmh. Mais quand vous déstabilisez l'enfant mmh. en chassant son père de la maison mmh. ou en chassant sa mère de la maison, vous rendez un mauvais service à cet enfant. C'est un enfant traumatisé. Et il restera traumatisé toute sa vie. Parce qu'il aura toujours la référence. Il a chassé papa. Elle a chassé papa. Mmh. Il a chassé maman. Mmh. Tu vois? Mais... Alors, focus est par oui. rapport à vous les femmes, parce que là vraiment le focus est sur vous. Mm-hmm. Comment ce challenge, comment vous dealer avec ça, avec cette particularité là, parce que faut dire la vérité, la société canadienne, une femme peut faire juste un appel de la police là par exemple, inventer comment bousculer, c'est suffisant pour que l'homme soit inquiété, arrêté, ainsi de suite. Mais le conseil que vous donnez aux femmes, c'est quoi? N'appelez pas la police. Appelez la police, mais ne posez pas les plaintes.
Qu'est-ce que vous vous dites entre vous? Parce que si vous êtes appelé un jour ou aujourd'hui, moi je crois au leadership de la femme, et je vois, comme vous l'avez donné vous-même l'exemple, la ministre, la première ministre de l'Ontario, c'est une femme, même au Québec, la première ministre, c'est une femme, on a eu Margaret Thatcher déjà dans les années 80, ainsi de suite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans la société moderne, la femme joue un rôle. Mais si ce rôle qui est très protectionniste, enfin protectionniste, tel que la société occidentale l'octroie, nous nous dirigeons où? Ce que je voulais mentionner, c'est que dans la société, ici à Toronto, au Canada, vous dites? Ici au Canada, on recommande appeler les proches, appeler peut-être votre parrain, votre marraine. Si vos parents sont là, appelez-les d'abord. C'est comme en Afrique. S'il y a un problème dans le foyer, on appelle l'oncle. On appelle la tante, on lui expose le problème. On lui dit, écoutez, voilà ce qui se passe. Pessa-moi la nayo, toli. C'est comme ça, ça devrait être elle. Mais bon, vous savez, on est dans un pays de droit et de liberté. Tout à fait. On pense que, bon, en appelant 911, on peut résoudre les problèmes. Le problème est résolu. Au contraire, c'est le début des problèmes. Vous créez un gros problème. À la fin, il n'y aura pas de solution. Donc, moi, je recommande, et je le dis toujours, appelez les aînés. Appelez un proche, un membre de la famille. Si vous n'avez pas confiance, appelez votre pasteur, appelez votre prêtre, un serviteur de Dieu, posez-lui le problème. On donne des conseils. Parce que c'est vrai, on est dans un monde de stress. On est stressé 24 heures sur 24. Dans une société de stress, effectivement. Et le stress peut t'amener à des réactions bizarres. Mais quand tu as quelqu'un pour t'écouter, elle peut te donner, ou il peut te donner des conseils. Il y a aussi des experts, hein? Il y a des conseils matrimoniaux. Mais c'est ça. Ce que je voulais revenir là. Toutes ces personnes-là, ce sont des ressources qui existent sur place. Bon, nos jeunes sœurs, nos jeunes filles, nos mamans, nos consœurs devraient aller d'abord chercher ces ressources-là, aller d'abord là-bas et essayer tous les moyens avant de chasser. Chasser, ce n'est pas la solution. Ok. Alors, naturellement, nous rentrons justement dans le sujet qui est d'ailleurs le thème principal, comment la femme congolaise immigrante réussit son intégration dans ce pays, sur le plan professionnel. Est-ce que vous vous concertez? Est-ce que vous dites simplement, bon, écoutez, allez à l'école, décrocher un diplôme, chercher du travail, c'est suffisant, tu as un revenu qui est régulier? Ou comment vous vous préparez pour prendre, pas nécessairement prendre la relève, mais contribuer au leadership au niveau de la société, ici on parlera de la communauté, ou au niveau de la gestion carrément du pays, on parlera de la politique. Comment vous, les femmes congolaises, vous préparez à propos? Bon, jusque-là, il n'y a pas, je ne pense pas qu'il y a une organisation comme telle qui s'est déjà mis tout autour d'une table et essaie un peu de voir ce sujet-là et d'y trouver une solution. Mais c'est un projet à long terme. Et je pense qu'avec les jours qui vont venir, on va essayer de s'organiser et essayer de voir avec les autres. On a plusieurs regroupements, on a des femmes qui sont entrepreneurs, on a des femmes qui enseignent, on en a plein dans la société. Et c'est un peu de s'asseoir et de voir, voilà, bon ben voilà, on a réussi ici, on a réussi là-bas, mais il n'y a pas que ça. Comme je le disais, la politique est là. Mais vous avez quand même quelques associations. J'ai cité tout à l'heure Monica avec l'association de canadiennes congolaises, vous avez aussi éventuellement Madame Kabea Yvonne avec le regroupement des femmes immigrantes francophones, ainsi de suite. Est-ce que ces institutions-là sont capables de promouvoir jouer le rôle de ces cercles de réflexion pour préparer le leadership de la femme? Le cas spécifique, c'est la communauté congolaise, par exemple. Ici, je parlais avec une dame qui me dirait, écoutez, moi je pense, ça ne marche pas à Toronto, peut-être parce qu'on n'a pas encore donné la chance à une femme de diriger. Penses-tu qu'aujourd'hui, il y a une femme dans la communauté congolaise, ici à Toronto, ou à Montréal, ou à Ottawa, qui est prête à prendre le leadership communautaire? Mais pourquoi pas? Si on lui donne l'occasion, elle peut le prendre. Si on lui donne l'occasion, parce que le pouvoir, ça s'arrache. Ça s'arrache, oui. Le principe de la politique reste le même. Oui, hein, tu dois acquérir un pouvoir. Le problème en est que oui, tu peux nécessaires pour l'accrocher. Tu peux travailler dur, mais quand tu pointes ta tête et que tu veux élever la voix, on te rabaisse, on te ramène en arrière, on ne te laisse pas t'exprimer. C'est un peu dur. Donc vous vous sentez exclu du débat? À certains points, on n'a pas cette place-là. Si on pouvait avoir cette place-là, je sais que c'est un grand travail, on doit s'y mettre, on doit se lever et dire assez, c'est assez. Non, non, non. Obama a dit, yes, I can.
Why not? Donc je peux le faire. Donc, mais c'est quand même, c'est ça. Donc, la politique, on ne vient pas vous servir. Non. Ce n'est jamais un plateau d'or qu'on vous le met. Non. Il faut se l'arracher. Au niveau de la communauté, vous vous organisez pour arracher justement ce leadership et le mettre éventuellement sur les jeux. Il y a un problème sérieux, c'est que dans la communauté, l'occasion n'est pas tellement donnée et les femmes aussi ne veulent pas se jeter à l'eau. Alors maintenant, nous devons lutter et leur faire voir que non, écoutez, les hommes ont fait, c'est bon, c'est beau, mais aussi nous, les femmes, nous pouvons. Allons-y. Tenons-nous la main, allons-y. Tu parles d'une concertation ou bien d'idée, les femmes doivent travailler seules ou bien les hommes ont travaillé maintenant autour des femmes où vous dites les femmes peuvent travailler de connivence avec les hommes. C'est quoi le message que vous Non, le message est que les femmes peuvent travailler de connivence avec les hommes. Et en travaillant de connivence, elles peuvent émerger. Au lieu de rester en arrière, l'occasion est là. Jetez-vous dans l'eau, nagez avec les hommes, allez de l'avant et pourquoi pas gagner la médaille. Vous pensez qu'un jour une femme pourrait diriger le Congo? Et pourquoi pas? La femme, elle est en mesure de diriger. Vous avez On a tous les atouts. Ok. On a tous les atouts. Mais les atouts, on constate. Je vous entends parler. Vous présentez quand même beaucoup de notions qui sont requises d'ailleurs pour diriger les appareils, les associations, les appareils gouvernementaux en tant que tels. Mais quelque part, je vois par exemple au Québec, vous avez une condition féminine. C'est un mouvement des femmes qui travaillent, qui préparent des stratégies et autres pour placer des femmes au niveau de gouvernement municipal, provincial, voire fédéral. Aujourd'hui, si vous regardez la plupart des pays occidentaux, il y a pratiquement des parités. Autant il y a le nombre de ministres hommes, autant il y a le nombre de ministres femmes. Donc, quelque part, il y a un travail de fond qui a été fait entre les femmes pour y parvenir. Mais vous, en tant que femme immigrante congolaise, quelles sont ces stratégies-là? Parce que je semble déceler que vous n'avez pas encore commencé le travail tant que tel. Vous avez beaucoup de Congolaises de Toronto, dans le monde et autres qui vous regardent. Quel est le message que vous leur donnez aujourd'hui? Vous leur dites, madame, écoutez, c'est quoi votre message? Je dis, nous, au niveau de nous sommes là, parce que vous le reprochez que nous soyons là. Mais vous êtes où là? C'est-à-dire, vous attendez qu'on vienne vous les donner? Non. Le message est là. Je le transmets à toutes les mamans de la communauté congolaise, tant ici à Toronto, au Canada, en Europe, en Amérique. Le message est que quand on vous appelle et on vous dit, il y a telle réunion des mamans, s'il vous plaît, venez à ces réunions. On fait des réunions, on les appelle. Marie-Jeanne, peux-tu venir? Oh non, tu vois, j'ai telle occupation, les enfants. Non. Apprenez aussi à répondre à ces invitations. On te dit, il y a réunion à 14h. Viens écouter. Viens débattre. Viens donner ton point de vue. La maison, elle est là. Elle ne va jamais te quitter. Les travaux ménagers sont là. Ils se resteront là. Ils ne vont jamais changer. Quand on vous appelle, venez aux réunions. Venez donner vos points de vue. Soyez présente. On veut vous voir dynamique. Et à ce moment-là, on fera des grands exploits. Effectivement, c'est dans le travail justement qu'on constate les exploits. Peut-être avant-dernière ou peut-être la dernière question. Aujourd'hui, au sein de la diaspora congolaise, peut-être aussi au Congo, on sent un réveil du tribalisme. En tout cas, ce n'est pas dit spécifiquement et encore moins clairement. Mais les gens semblent s'affilier et s'attacher plus aux régions et aux tribus auxquelles ils appartiennent. Vous, au niveau des femmes, est-ce que c'est un phénomène que vous ressentez? Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui est entretenu? Qu'est-ce qui explique au XXIe siècle que le Congolais, d'après vous, vous êtes congolaise, que le Congolais ait encore ces séquelles du tribalisme vivant en Occident? Bon, moi particulièrement, je n'ai pas eu l'occasion de vivre ou de pratiquer le tribalisme. Comme j'ai dit au départ, j'ai grandi en Belgique. J'ai un peu voyagé un peu partout. Je me suis retrouvée en Afrique du Sud. Et aujourd'hui, je suis au Canada. Et peut-être demain, ça sera l'Australie. Et puis finalement, le Congo, je ne sais pas. Mais pour moi, je me dis, Mobutu disait, Bala ekolo moko, Tata bo moko. Tu vois, donc école au Moro, Tata Bomoko. Nous sommes tous des Congolais.
Que tu sois du bas Zaïre, que tu vas marier une femme de l'Équateur, que tu sois du Chaba, que tu ailles marier une femme du Kivu, que tu sois du Kassai, tu ailles marier une femme du Bas-Congo. Mm-hmm. C'est ça le Congolais. Okay. C'est le brassage. C'est ça. Mm-hmm. C'est ça notre culture à nous. Mm-hmm. Et maintenant, si les gens doivent se mettre là et dire, oh non, moi je suis Luba, je ne côtoie que les Luba, oh non, moi je suis Swahili, je ne côtoie que le Swahili, mm-hmm. c'est une erreur. Mm-hmm. Parce qu'on a. On a ce bagage-là. Mm-hmm. On a quatre langues nationales. Mm-hmm. Le Lingala, le Swahili, le Chiluba et le Kikongo. Mm-hmm. Et à part ça, on a plus de 600 dialectes. Mm-hmm. Maintenant, si on doit se morceler, mm-hmm. le pays est foutu. Le pays est foutu et il est effectivement foutu sur le plan purement politique. Quel est votre regard sur la politique du Congo aujourd'hui? Oh, c'est déplorable. Ça me fait pleurer. Mm-hmm. Et c'est vraiment déplorable. Et je me dis, bon, ben, est-ce que ces gens qui dirigent ce pays... Est-ce qu'ils le dirigent comme leur propre foyer à la maison ou bien ils ont envie que la population se retrouve? Mm-hmm. Comment expliquer qu'on le déclare partout que le Congo, c'est un pays où on trouve toutes les richesses du monde. Mm-hmm. Mais on te met ministre là-bas et tu ne penses qu'à ta poche. Mm-hmm. Mais tu as un père, tu as une mère, tu as des frères, mm-hmm. tu as des tantes, tu as des cousins, mm-hmm. tu as des neveux, tu as des nièces. Mm-hmm. Est-ce que tu penses à ces personnes-là? Mm. Non. Ici, on verra le ministre quand il travaille. D'abord, même pas au niveau de ministre. Mm. Un parlementaire. Mm-hmm. Quand tu es parlementaire, tu vas parlementer pour mm-hmm. les gens de ta base. Mm-hmm. C'est quoi leur problème? Tu prends les problèmes de ton quartier, de ta commune. Mm-hmm. Tu étudies ça. C'est ça. Mm-hmm. Et tu amènes ça. Et tu vas trouver une solution. Mm-hmm. Comment expliquer qu'aujourd'hui au Congo, il n'y a pas de courant? Mm-hmm. On a plein de rivières, il mm-hmm. n'y a pas de courant. Il n'y a pas d'eau potable. Mm-hmm. Et les ministres sont là contents. Mm-hmm. Ils viennent d'ailleurs en Occident. Ils viennent ici et ils sont là, ils se pavanent dans les hôtels, ils dilapident l'argent du petit Congolais. Mm-hmm. Les gens font 10 mois impayés. Est-ce que dans la tête, c'est le cerveau qui fonctionne ou bien il y a des fourmis? Je me pose la question. Parce que ici, quand on te met... Moi, je travaille au ministère des Travaux Publics. Mm-hmm. C'est un grand ministère. Mm-hmm. Et il y a des budgets qui sont alloués. Et des gros budgets. Des gros budgets. Mm-hmm. Et vous devez rendre compte de tout ce que vous faites. Mm-hmm. Sur papier, il n'y a pas... S'il y a corruption, je ne sais pas. Mm-hmm. Mais la corruption ne se voit pas. Mm-hmm. Mais chez nous, là, un étranger vient... On voit les résultats. Mm-hmm. Donc, il y a des plans qui se font et tout ça, et les gens travaillent. Mais chez nous, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de courant, et c'est normal. Ce n'est pas normal. Le social, commençons par le social. Le bien-être du Congolais. Le bien-être du petit Congolais. Mm-hmm. Si on te met aujourd'hui ministre, mm-hmm. c'est parce que tu représentes le petit Congolais. Mm-hmm. Qu'est-ce que toi, là où tu es, mm-hmm. tu penses du petit Congolais? Mm-hmm. Tu penses qu'ils tiennent à cœur? Non, ils ne tiennent pas à cœur. C'est pour ça que j'ai dit qu'ils ont lamentablement échoué. Mais pourtant, quand vous regardez, je peux vous citer quelques noms. Raymond Tshibanda, c'est un universitaire. Quand vous regardez des personnes comme Évariste Beauchamp, il fut professeur à l'université. Quand vous regardez, pratiquement tous les fonctionnaires qui occupent des... Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Au niveau du Congo, c'est des cadres universitaires qui ont d'ailleurs fait l'Occident. Qu'est-ce qui justifie, d'après vous, cette médiocrité à la tête du gouvernement du Congo? Cette médiocrité, c'est parce que quand ils vont dans ce ministère, ils ne connaissent pas leur rôle. Mm-hmm. Ils ne savent pas pourquoi ils y vont. Mm-hmm. Ils y vont juste parce que je veux être ministre, mm-hmm. et me remplir les poches, me marier à 10 femmes, avoir 50 enfants, c'est tout ce qui les intéresse. Mm-hmm. On les voit là partout, c'est tout ce qui les intéresse. Non. Donc vous voulez, il n'y a pas une condition de rédévabilité vis-à-vis des électeurs? Non, quand ils y vont, ils s'en foutent de la population. Ça ne leur dit absolument rien. Le bien-être du petit Congolais. Mmh. Ici où nous sommes, mmh. mes enfants, quand ils vont à l'école, mmh. je dois leur faire une boîte du dîner. De lunch, effectivement. Ouais. Ils ont deux goûters et le dîner. Mmh. Et à l'école, là où ils y vont, mmh. on vérifie. Si l'enfant n'amène rien à manger, toi le parent, tu as un problème. Tout à fait, oui. Tu comprends? Bien sûr. Mmh. Chez nous, au Congo, mmh. l'enfant part à l'école le matin, mmh. il n'a rien mangé. À l'école, là où il va, il n'y a pas de toilette. Nous sommes des humains, on a des besoins humains. Mmh. Il n'y a pas de toilette. Il n'y a pas un abreuvoir pour boire de l'eau. Mmh. Dis-moi, toi, ministre de l'Éducation, mmh.
Est-ce que tu es ministre de l'éducation, oui ou non? Qu'est-ce que toi, dans ta tête, tu penses de cet enfant-là que tu fais souffrir aujourd'hui? Est-ce que demain, il va diriger ce pays convenablement? Qu'est-ce que tu lui donnes comme bagage? Il part avec la faim. Dans sa tête, c'est la faim. Il ne peut pas raisonner. L'enseignant qui doit enseigner cet enfant-là, il est 8 mois impayé. Mais toi, ministre, tu as des gros salaires que tu mets dans ta poche. Est-ce que tu es ministre réellement ou tu es seulement venu te pavaner, prendre de l'argent, mettre dans ta poche, acheter 10 jeeps et te promener? C'est quoi la solution? La solution, tous ces gens-là, ce sont des gens à éradiquer. Mais comment on va les éradiquer? Parce qu'ils ont là, ils ont le pouvoir militaire, le pouvoir financier. Ils ont le pouvoir. La population, c'est la force. Mm-hmm. On a vu Benghazi. Mm-hmm. Benghazi, la population s'est levée. Mm-hmm. Le Congolais, je ne sais pas. Le Congolais ne veut pas se lever dans son propre pays. On a fait des marches ici. Mm-hmm. Les mamans sont allées à Ottawa. Moins 32 degrés. Mm-hmm. Elles ont marché pour le bien du peuple congolais. Mm-hmm. Au Congo, ils dorment. Mm-hmm. Congolais Téléma. L'amour qu'a place aux alliés. Combat est à Bissot Nyos. Bissot a la diaspora. Toro Bunda. Mais impact est à Kuna. Bino Kuna la Kinshasa. Il faut voter les mots. Aujourd'hui, s'il se lève, Bana Tchango, Bana Tchango. Cette masse-là, si elle descend dans la vie, on va tuer. Oui, c'est normal. Mais ils ne pourront pas tous les liquider. Êtes-vous en train de dire, comme la Bible dit, il n'y a pas de liberté sans effusion du sang? C'est ça. On a vu la Révolution française. Le peuple était tué. Mais ils ont obtenu ce qu'ils voulaient. Il faut se battre. Nous, on est là. Nous, on fait la pression, comme on le dit, la pression économique, la pression diplomatique ici dans ce pays. On les bouscule. Et tel qu'on a fait là, ils ont peur. Ils savent là où nous sommes. On est en train de travailler dans l'ombre, dans le noir. Et ils connaissent ça. Mais tant que au niveau du pays, on ne bouscule pas. Rien ne va marcher. Chers amis, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bienvenue toujours sur cette émission. Les réseaux de la diaspora, c'est une chaîne qui est conçue ici en Amérique. Nous travaillons avec différents partenaires, justement pour permettre au peuple de la diaspora, les peuples immigrants, de s'exprimer au sujet des défis qui les guettent dans leur processus d'intégration, que ce soit en Amérique, en Europe ou ailleurs où ils ont décidé d'aller s'établir. Nous essayons surtout de connaître, d'établir les solutions, les pistes des solutions ou carrément les solutions pour éviter justement aux autres peuples immigrants dans leur processus d'immigration de rencontrer des difficultés, les difficultés qui pourraient, pourquoi pas, alourdir, n'est-ce pas, leur processus d'intégration. Donc aujourd'hui, le réseau de la diaspora est privilégié d'avoir avec nous Madame Béa, qui est de la diaspora congolaise. Elle est très dynamique, c'est une femme battante. Nous la voyons souvent debout quand les Congolais contestent le viol, l'absence de droit du respect des droits de la personne en tant que telle. Madame Béa, si je vais vous demander de conclure cette émission, quel serait votre dernier mot à nos auditeurs? Le dernier mot serait que la femme, elle a un atout. La femme, elle a un pouvoir. Et la femme peut faire de grandes choses si elle le veut. Et pour notre cas, le Congo, il faut que les femmes, les mamans congolaises se lèvent. Et se lèvent comme un seul peuple. Parce que nous avons des jeunes filles, nous avons nos filles qui sont là. Et nous devons éduquer ces filles-là. Nous voulons bien. Mais les moyens ne nous sont pas donnés au pays. Que toutes ces mamans-là se lèvent. Si aujourd'hui, elles prennent des décisions. Je me rappelle, il y a quelque temps, je ne sais pas si c'était dans un pays africain, les épouses des autorités, elles se sont levées et elles ont dit non à leur mari. Juste à ce qu'une solution soit trouvée. Et la solution était arrivée très vite. Parce que les mamans se sont levées, elles ont dit non, pas comme ça. Et vous savez, dans le foyer, quand la femme se lève, elle se fâche et dit à son mari, je ne veux pas ça. Le mari écoute, il obéit. Voilà. Donc, au pays également, la même chose. Nos mamans, levez-vous, battez-vous. C'est notre pays, c'est notre droit. C'est notre pays, c'est leur droit, effectivement. Donc, comme je disais, les réseaux de la diaspora vont continuer à accueillir les dames pour connaître quels sont leurs plans, leurs organisations, n'est-ce pas, pour un leadership féminine effectif dans un avenir proche,
ou lointain, pourquoi pas. Alors pour nous, c'était un plaisir d'avoir Madame Béa, que je remercie pour avoir accepté notre interview. Nous espérons, et nous travaillons avec Madame Béa, comme vous avez pu voir, elle est très dynamique. Peut-être dans les temps à venir, très prochainement, vous verrez encore Madame Béa toujours sur les réseaux de la diaspora, pourquoi pas avec des nouvelles initiatives. Puisque c'est une surprise, puisque c'est un secret, restez patients, restez fidèles au www.dn247.net, les réseaux de la diaspora. Je tiens à remercier principalement les personnes qui contribuent à la réalisation de ces émissions. Je pense particulièrement à M. Hilaire Kassar qui apporte beaucoup de ressources pour la réalisation des émissions que les réseaux de la diaspora vous offrent. Nous avons beaucoup d'autres amis, souvent, de temps en temps, nous reviendrons sur leur nom. Je salue nos sœurs qui nous soutiennent à partir de partout. À Montréal, Mama Bijou, toujours, nous pensons à vous, la comtesse. Elle fait le nécessaire, n'est-ce pas, pour la promotion des réseaux de la diaspora. Vous êtes en Europe, vous êtes en Grande-Bretagne, vous êtes en France, vous suivez régulièrement, et en Belgique, bien entendu, et partout en Europe, vous suivez régulièrement nos émissions. Nous vous en remercions. Nous sommes ouverts aux recommandations, à vos propositions, pour que nous puissions vous donner ce dont vous avez besoin. Aimé Kabuya, votre fidèle serviteur, sur le www.dn247.net. À bientôt.